Bonjour à tous et à toutes, c'est l'équipe de SWAT 666 pour l'épisode. Aucune idée, je crois que c'est le 8 ou le 7 sur Watch Dogs, les chiens de garde. Je crois que ça veut dire ça en tout cas. Placement de produit. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Comme vous avez pu le voir, patate, l'épisode 2, si je l'avais pas signalé avant, vous comprenez que c'est-à-dire que j'avais pas encore fait le montage de l'épisode 2 dans les prochains épisodes. La caméra n'est plus en bas à droite, mais en haut à droite. Voilà. Normalement, en fait, ça serait plutôt en bas à droite et en haut à droite pour vous, je crois. Plutôt, c'est mieux. Voilà. Ça fait maintenant pas mal de vidéos que c'est comme ça, du coup. Autre chose, je pense qu'au moment où je vous parle, les lives ont commencé depuis quelques semaines. Ont peut-être déjà terminé, d'ailleurs, non. Je pense pas terminer, mais bien commencé. Vous deviez déjà savoir, ceux qui ont suivi les lives, que j'ai fini de tourner le let's play, étant donné que je commencerai pas à faire de live sur ce jeu avant que le let's play soit terminé. Je ferai aussi, à mon avis, des lives sur Murdered Dead Soul, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, Murdered Dead Soul, ou... Non, c'est... Je sais plus, là, le jeu d'enquête où on enquête sur son propre meurtre. Autre chose très importante pour cet épisode, j'ai énormément joué au jeu. Pourquoi je fais triangle? Non, j'ai pas mal joué au jeu. Donc ça, on peut... À chaque fois que j'ai redémarré le jeu, à chaque fois j'avais ce dialogue. Et je crois pas qu'on puisse le zapper. Bref. Voilà, c'est pour vous dire que j'ai acheté plein de flingues, comme on peut le voir. J'ai en fait acheté à peu près toutes les armes du jeu. Voilà, on va peut-être ranger le désertical. Donc on va aller faire un petit test de shoot sur les abords de la ville. J'ai fait aussi quelques missions secondaires, mais aujourd'hui je n'ai fait aucune mission principale. Mais voilà, j'ai fait pas mal de multi aussi, enfin quand j'ai arrivé à me connecter, mais il y a pas mal de gens qui m'ont envahi pendant que je me baladais. Donc du coup, c'est plutôt cool. J'ai fait un point comme ça, qui était, je crois, par là. Donc tiens, il y a une planque de gang. Bon, on va faire ce point là du coup. Par contre, je voulais quand même tester les flingues, donc du coup, on va faire le point. Comme vous pouvez voir, j'ai perdu pas mal d'argent. J'ai dépensé à peu près 300 000 $, un truc comme ça. J'ai fait aussi comment ça s'appelle? Les quelques missions fixeurs, je crois que ça s'appelle. Donc en fait, c'est principalement des missions voiture. Genre emmener un certain nombre de voitures au point B en un minimum de dégâts. Échapper aux flics, faire une course de point de passage avec les flics au fion, pirater des gens en voiture, enfin voilà, c'est principalement, le principe c'est les voitures, voilà. Sinon j'ai fait aucune enquête, voilà, j'ai pas fait non plus de point de sécurité, j'en ai fait qu'un seul parce que j'étais vraiment à côté, j'ai pas fait de planque de gang, de toute façon ça c'est pas des trucs que je vais faire en entier avec vous, donc bon je vois pas de, voilà, juste pour vous dire à peu près ce que j'ai fait. Tiens, là il y a un truc comme ça. Ah, par contre, j'ai perdu de la réputation parce qu'à un moment j'ai tué pas mal de civils sans faire exprès et ma réputation a beaucoup, beaucoup diminué et ça m'a beaucoup, beaucoup fait chier par ailleurs. Ah oui, j'ai toujours pas fait de trip virtuel, ce genre de truc. Ça, c'est des trucs que je garde. Il y en a qui avait un... Lui, il me donne une planque de gang. C'est cool, ça. Joe ? Il m'appelle Joe, ce con. Donc du coup, ouais, les trips virtuelles, tout ça.
Ouais, là, je disais les trucs virtuels, tout ça, je me les garde pour le let's play, pour découvrir un peu ce que c'est, parce que j'ai pas... Mais par contre, j'ai toujours pas envie de les faire. Comme je disais, on va essayer plutôt de se focaliser sur la quête principale pour le moment, et j'arrive pas à trouver vulnérabilité. Là, tac, tac, tac. Ah, c'était ici, d'accord. Donc ouais, pour le moment, voilà, je suis toujours pas chaud. Je viens de faire une connerie. Scheiße! C'est bien de s'en rendre compte, mais trop tard. Je vais faire de la pub pour un magasin qui s'appelle Aldi, je sais pas si vous avez ça chez vous. Les prix là-bas, c'est de la folie. Là, je pensais vraiment pas, ma copine, ça fait quoi, quelques semaines qu'elle me dit, mais faut que tu ailles faire tes courses à Aldi, tu gagneras plein d'argent et tout. Et c'est ouf, une canette de 50 centilitres. On l'a eu à quoi? À 49 centimes. Et c'est vraiment du coquin. Hein. C'est pas un, c'est pas un, une fausse marque ou quoi. C'est 49 centilitres le coca. Non, 49 centimes les 50 centilitres. C'est quand même énorme par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres grandes surfaces où on trouve facilement. Voilà. Enfin, quand on compare dans une gare où c'est 2 euros les 50 centilitres, vous faites vite le calcul, quoi. Voilà. J'ai aussi changé de vêtements. J'aimais pas trop le vêtement vamp en fait. Ça me plaît plus, c'est plus simple. Putain, c'était. C'est assez chiant ce truc là. Normalement, on débloque des trucs qu'on peut pas débloquer autrement ou alors faut les fabriquer, j'ai pas trop compris. Ok, on va tester le Deagle. Eh merde. 911, please state your emergency. Get some cops here, man. This dude is trigger happy. A pickup got lifted before the. Watch all units initiating CTOS scan for suspect. Bon, c'était peut-être pas une bonne idée le coup du Deagle. On peut voir que le Deagle c'est une arme bien puissante. Hein. Non, c'est très utile cette caméra, merci. Aïe! Pardon. Pourquoi je suis encore poursuivi là? En plus, c'est parfait si on va pouvoir s'entraîner à tirer. Ah, j'aurais pas dû boire de coca, j'ai des petits rototos. En multi, je me suis pris des barres. Genre une fois, je devais faire une filature à un mec. Parce que la filature, c'est quand même plus simple que le piratage. Hein. Une fois, ah, j'ai cru que j'allais le tuer, le mec. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message et tout. Je monte à 99% du piratage. Il commence à fouiller les voitures. J'étais dans une voiture devant lui. Tu vois, un trophée. Donc j'étais devant lui et tout. D'un coup, il regarde ma voiture et à ce moment-là il découvre que c'est moi et là il sort vite son flingue, il me bute, j'étais à 99%, je lui dis bah putain c'était chaud, il me fait ouais en effet. Bon alors on va tester les nouvelles armes, du coup les armes qu'on connaît pas. J'ai le SMG 11 Force Spéciale qui comme on peut voir est pas du tout précis mais au moins est silencieux donc ça peut toujours être pratique. Le MP9 on avait. Le R33, ça c'est, je sens que c'est une arme que je vais beaucoup utiliser parce que j'adore les pistolets comme ça, full auto. Très précis en plus, comme on peut voir. Qui se recharge super vite. Voilà. On a donc le Desert Eagle. Donc bon, c'est pas une arme de. Ah, c'est pas vraiment une arme qui est faite pour les anciens. Le P2000, mais je crois qu'on l'avait déjà. Le M8M, c'est le Desert Eagle, mais version revolver. Et le Chrome, qui est le M8M avec des tirs en rafale. Mais ça, je crois qu'on l'avait déjà dans l'épisode précédent. Pour les fusils à pompe, j'en ai qu'un seul de nouveau. Mais c'est pas n'importe quoi, c'est ceci. Ok. Bam, comment gagner des points de notoriété facilement?
Du coup, ah oui, il faudrait prendre des niveaux aussi, parce que j'ai pris aucun niveau pour pas vous vous gâcher le plaisir. Je crois qu'en fait, j'ai toutes les armes du jeu qu'on peut acheter. Donc, sniper, il y a le SR-25, qui a une cadence de tir plutôt élevée par rapport au SVD. Voilà, par rapport au SVD, on voit bien les différences. La CAR. La CAR, je crois que... Ouais, qui tire en rafale, voilà. C'est plutôt pas mal. C'est quoi ça? On dirait une sorte de Galil. Les armes sont vraiment pas mal modélisées dans le sens où elles sont plutôt jolies, mais elles ont pas beaucoup de détails, quoi. Mais les textures sont propres. Et le calibre 50, qui a la même cadence de tir que le SVD, mais une puissance qui n'a absolument rien à rien. Rien à voir. Et après, j'ai un lance-grenade, mais ça, je vais éviter de vous monter, parce que ça coûte cher. Donc on va plutôt partir sur le SR-25, c'est plus mon type d'arme. Pour les fusils d'assaut, donc on l'avait découvert dans l'épisode précédent, le fameux 417, que j'adorais. Voilà, ce coup-ci, on va changer. On a le Gobelin, qui est un 417, qui tire en 3 coups, en gros, mais qui a 30... balles dans le chargeur. Voilà, la différence entre les deux, c'était vraiment les 30 balles dans le chargeur. La serre qui sent, voilà, l'arme pas très précise, mais cadence, ça sent le fusil d'assaut. Je l'ai un peu utilisé pendant quelques missions secondaires. C'est le truc où si t'as envie, voilà, tu peux être plutôt précis et vraiment faire des gros dégâts, à mon avis. Cadence de tir plutôt lente. Après, il y a les pistolets mitrailleurs, donc t'as le MP5 qui est pas mal de recul aussi, on peut le voir, qui est plutôt pas mal, j'aime bien. Une belle cadence de tir, à mon avis la puissance elle doit pas être terrible. Le fameux Vector, ah ça j'adore. Donc là la précision par contre, voilà quoi. Là je touche pas le joystick, voilà, je ne touche pas le joystick, vraiment. C'est précision de ouf, et ça c'est une arme DLC Micromania. Le fameux Thompson, 50 balles dans le chargeur, tout ça, tout ça. Voilà, on a fait le tour de tout ce que j'ai acheté. Donc on va garder le R33, qu'on a pu le voir, est pas terriblement efficace, mais c'est cool. C'est vrai que j'ai vraiment cru qu'il allait sortir l'autre... comment... L'autre envahisseur, là. En plus, je sais même pas s'il voulait me faire une filature ou autre chose, du coup... Bon, ce coup-ci, on va éviter de tuer tout le monde. Donc voilà, quand on tue des gens qui méritent pas de mourir, notre réputation, elle est pas trop fan. Il va attaquer la femme, je parie. Non, ne reviens pas vers moi, ça m'arrangerait quand même. À quelle heure j'ai commencé mes conneries, moi? On va dire que ça fait... Allez, on va dire 8 minutes. Ah merde, c'est un homme. De dos, tu ressembles plutôt à un mec. À une femme, pardon. C'est vrai que la casquette, j'aurais peut-être dû m'en douter que c'était un mec, mais bon. Voilà, c'est bien, faut faire remonter ma jauge de réputation, là. C'est pas ça. Ah oui, bah tiens, on va en profiter pour mettre des points, du coup. On débloque des badges. Du coup, mettons des points, arbre de compétences, voilà. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas joué. Hein. Du coup, bon, on va terminer tout ce qui est amélioration de piratage. Voilà. Ah, il me reste plus que 2 points, du coup. Un petit trophée, non? Pas de petit trophée? Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, on va augmenter les flingues. Ah bah, focus amélioré depuis le temps que je veux l'augmenter, que je le fais pas. Voilà. Et d'accord, en fait, ça augmente le nombre de barres. M, étrangler des chats. Mais Karen, ça va pas, Karen? On étrangle pas des petits chats? Les petits chats, faut pas les étrangler. Et mignon, les petits chats.
Du coup. C'est bien. On a récupéré de l'argent. Mais il est où le distributeur? Oh, il est là, putain, je suis bigleux. Ah, ce jeu est vraiment terrible. Moi, je. Franchement, j'étais dans ceux qui disaient que ça allait être de la merde et je kiffe. Du coup. Ah bah. Ah ouais. Oula, ça a l'air d'être plutôt space. Ah, c'est celle-ci. Non, c'est pas du tout celle-ci. Elle serait plus à droite, plus par là. Non, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-là. Celle-ci. Bah, à part celle-ci, là, je vois pas, mais ça fait un angle chelou quand même. Ouais. Négatif. Voilà. Ça serait là, bien en face. Regarde-moi bien en face. Il faut que tu t'y fasses. Regarde-moi bien en face. Tu vois, je ne t'aime plus. Ouh, 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 ouh. Oh, c'est elle. Elle était loin, hein, dites donc. Hein. Fallait la trouver. Hein. Non, c'est pas elle. C'est elle. Fallait quand même la trouver. Hein. On va acheter des munitions parce que mon petit shooting privé tout à l'heure a quand même pris pas mal de munitions, donc du coup. Bloom operator, you're on a secure line. Go ahead. I'm out of here. C'est cool, on peut se faire ça très très discret quoi. Ça, je sais même plus ce que ça fait, les trucs violets. Non, c'était avant-hier, j'en ai tué un. J'ai perdu des de la popularité, alors... depuis... Ah 14 900 $ directement pris dans la bourse universitaire, il va être content le mec. Non, mais les banques, elles remboursent, c'est ce qu'il faut se dire. C'est risqué ce que je tente, c'est pas grave. What? Bon allez, on va se la faire au Desert Eagle cette planque de gang. Enfin, on va se la faire discret pour commencer et après on sortira le Desert Eagle. Mission bloquée. Encore? Ok. Putain, dis donc, je me fais pas mal. Ça va être plutôt facile. Mais c'est pas le mec de tout à l'heure, il veut un rematch? Pourquoi tout d'un coup il n'y a plus la zone en bas? Putain, ça monte super vite! Non, pas le parapluie, ça sert à rien quand il y a des parapluies. D'accord, c'est pas dans la... je suis pas dans la bonne zone. C'est un mec qui a pas de parapluie, il faut que je trouve un mec qui a pas de parapluie dans cette zone. J'ai déjà perdu un tiers de mon temps. Bon, on va changer de méthode.
Pas là non plus. Toi là-bas. T'es sérieux? Oh l'enfoiré, il peut quand même me pirater alors qu'il y a un blackout? Mais elle est où? Bon, tu vas peut-être pas revenir une troisième fois. Putain, c'est marrant parce que tout à l'heure je l'avais déjà regardé cette bagnole. Bon, je t'aime bien petit Desert Eagle. Tu fais bien le boulot. Et là je suis sûr que c'était tous... Non mais t'as pas vérifié cette voiture, t'as pas vérifié. La voiture c'est pas une bonne idée. De toute façon, avant de faire une intrusion... Enfin, avant d'activer le fait que vous hackez le mec, faut vraiment vous planquer. La dernière fois, il y a une sorte de garage dans le jeu qui est une tour, mais hyper, hyper haute. Vraiment, c'est super haut, c'est hallucinant comment c'est haut. Et ben, moi j'ai vu que le mec était en bas de cette tour-là, je suis monté tout en haut et là j'ai activé le piratage. Et je me suis pas mis dans une voiture planquée, d'ailleurs il a fouillé la voiture en question avec laquelle je suis monté. Mais je me suis mis derrière un pylône, pas un pylône qui est tout au bout, vraiment un pylône qui est au milieu de la zone. Et comme ça, il est passé devant moi, mais genre vraiment, là c'est comme s'il passait, je peux pas vous montrer du doigt, mais c'est comme s'il passait derrière la barrière là, et il a continué à monter dans son coin, et du coup, ben... comment ? Du coup, il m'a raté, il a perdu, parce qu'après il est redescendu... Pas mal ça. Ah merde, ouais, faut peut-être que avant de tuer du monde, faut peut-être que je remarque qui est la cible. Un autre. Je suis un peu dans la merde. Du coup, on va sortir le Deagle. 33 plutôt. Hop. Faut juste que j'évite de tuer le mec qu'il faut pas tuer quoi. Merde, grenade. Putain, fait chier parce que s'il faut que je fouille tous les mecs, comment que j'observe tous les mecs avant de les tuer, aïe! Oui, je savais qu'il faisait partie des renforts donc j'ai pas hésité.
Bam. Le seul mec que je me fais au corps à corps qui m'avait pas repéré en plus, c'est la cible. J'ai de la chance. Il y a lui aussi. Sauf que lui, il l'a défoncé. Ah, nouvelle compétence. C'est quoi ça, meilleure précision? Ouais, j'augmente. Je collectionne les épées. Du coup, je suis où? Parce que moi, je voulais faire un... Ah oui, d'accord. Ah oui, mais je suis pas du tout où je voulais être. C'est à cause de la course-poursuite, ça. Du coup, on va laisser tomber pour le moment. On va laisser tomber ça pour le moment et on va aller faire la quête principale. Trop bien ce jeu. Trop bien, trop bien. Même si là je me suis pris comme un manche. Mais finalement, en fait, je crois qu'en arme silencieuse, je vais quand même rester sur le 1911, qui est quand même plus précis. J'avais pas dit que je mettais un truc là-dessus. Ah, encore une autre planque d'armes. Ça, on va aller faire tout ce qui est planque d'armes, QR code et je sais pas quoi. J'aimerais bien au moins finir un ou deux pour voir si ça débloque des missions ou si c'est juste quand tu les as tous débloqués, t'as un bonus ou quoi que ce soit. C'est juste pour voir. Alors du coup... Du coup, c'est juste là, apparemment. Ah, ça passe par là. Ok. Ok. Il y a une échelle là. Ouais, je l'avais vu tout à l'heure. On peut y grimper quand même, j'espère. Ça. Ah non! À mes souhaits. Il manquerait juste un bouton saut pour faire des gros sauts à partir des toits comme ça. Ça serait juste pour la classe, ça serait cool. Comme dans MGS. Ground Zeroes. Oh, j'ai juste ouvert une porte. Max. Zut, je sais pas ce que c'était, mais j'en suis au max. Ça va être des EI, des trucs comme ça. Oh, le mec a une réaction énorme. Non! Ouh! De chance. Ah, c'est le nom de l'autre jeu, c'est Murdered Soul Suspect. Et j'ai eu du mal, hein. Pour m'en souvenir, hein. Un jeu donc que je ferai. J'essaierai de le faire un maximum en live. Mais pas de let's play. Là-dessus. C'est nul que ces ponts-là, on peut pas les ouvrir. Bon, on va aller empêcher un crime.
simple question. Do you got the shit? Not yet, but I'll have it in the day. Nah, that ain't good enough. Time to go dead. Bon, ça c'est bien fait ça. Le mec a failli se faire taper parce qu'il vendait du porno vintage. Hein. Ah, je suis repassé justicier. Ah, il y a eu de l'argent, il y a eu de l'argent. C'est pas toi, c'est toi. Non. Non. Je vais me faire non comme ça. Voilà. Bon, du coup. Du coup, il y a encore plein de personnages qu'on n'a pas croisés, hein, dont le fameux T-Bone qui aura sa campagne solo en DLC. J'hésite à prendre le comment ça s'appelle. Le season pass. Salut Clara. Here. Thanks. Those men, who are they? I don't know. You know, they must have picked up on the CTOS search. That's why I wanted to see you. DedSec says that someone else has the system hacked. I took it and I gave it to you. Well, hold on. I didn't give it to anyone. I wouldn't. We need to trust each other. You don't trust me, there's nothing I can do. Someone shot up my motel room. My sister's gone, and I have nothing. You are not my priority right now. No, I know that. Of course. Moi, j'en ferai ma priorité, hein. Aïe. Do you know this place? Somewhere near here. Supposed to be the first test site for CTOS. It is known as the bunker. At least, that's how the urban legend goes. The bunker? One with access to the entire city? Undetected access. I've done months of research on it. City planning, zoning documents, things they don't want us to see. There's a blank spot on every map, right over there. And you've lost your damage deposit on a motel. Oh, oh, oh. Ah. Parce que là, bon, une petite idylle, j'aurais pas dit non. Entre nous. Visa expiré, profession tatoueuse. Attendez, je vais voir un truc. Ah oui, c'est une île là où... His name's Tobias Frewer. Tobias was one of the CTOS pioneers until Bloom fired him. The man is vraiment crazy. Or on drugs. Maybe both. He lives right near here. There's a homeless camp. He's homeless? He's got an underground shop hidden in there. DedSec goes there for some of the more rare hardware. You can't forget him. He's paranoid and won't talk. I can be persuasive. I'll let you do the talking. You really want this place to be real, don't you? It is real. So you're buying into the legend. Papa used to take me camping in Mont Tremblant.
He'd always say we were looking for treasure. Hey, right here. I didn't understand then that he was stealing from the cabins. Gold watches, tools. The look on his face when it was something special. Like one time, I found an old rusted coin with a regal emperor. He said it was an ancient Roman coin. Priceless. But he let me keep it. Said it was my door to a magic world. The whole Roman Empire. I guess I am a fighter's daughter. Stars in my eyes. Well, I hope this bunker's real too. It's real. En tout cas, les Québécoises. There. That's where Tobias runs his shop. Mostly black market junk. Sometimes you can find rare schematics, if you're lucky. He's not there. What now? Someone here knows how to reach him. I'm gonna look around. Fancy setup. What is it? I'm in the middle of a poker game. There's somebody at your shop. Well, it's closed. He's playing poker. I'll get them to deal me in. Poker game, huh? Let's see where you're hiding. There we go. Bah, j'ai super loin, tu m'emmerdes! Oh merde. There they are. They'll hunt him down fast. I need to stop them. Putain, non, ça va être à cette bagnole. J'irais peut-être mieux avec la moto, mais bon. On peut pas tout avoir. Casse-toi. Ouais, je lui mets la pression. Oh putain. We need every available backup. Hit him. C'est eux ? Bah du coup là je peux pas faire grand chose pour leur échapper donc Bon bah voilà. C'était tranquille. Comme quoi hein, les poursuites, bon les flics faut éviter, sinon votre réputation se fait descendre en deux secondes, mais si vous êtes poursuivi par ce genre de personnes, s'arrêter au milieu de la route et les descendre. C'est quand même ce qu'il y a de mieux, hein. Ah, il y a un monsieur avec de l'argent. Ah, une madame. Un cours d'antidépresseur. $200, allez, je pense que je peux le faire.
Alors, mes amis. Je peux avoir des cartes. Bah oui, je rejoins la partie. Y a pas une caméra dans le coin? Ah si, y a une caméra. Bon. Alors. Kojak. Bon, il y a un roi et un valet, ça s'appelle un Kojak. Bon, je relance 2-10. J'aime bien les Kojak. J'ai pas regardé s'ils étaient pariés ou pas. Non, ils sont pas pariés. Ah ouais, comme ça, on fait pas de partie. Eh, mais je te connais, toi, en tout cas, l'acteur. Ta tête me redit quelque chose. Mais t'es malade! Ah, j'aurais pu faire exploser ça à la gueule. Ça leur a fait les dents. La courbe d'antidépresseur, mon vieux. C'est des antidouleurs qu'il va te falloir quand je te rattraper. Moi, bon, même pas, je grimpe au-dessus. Eh ouais, mon vieux. Ouh, c'était bien ça. Anyone that ever touched that fucking place. We all have one foot in the grave, but I'm okay. I'm safe here. Mostly. Sure. Tobias. May I have the bridge remote? Please. I built it, you know. The remote. T'as des petits problèmes, mon garçon. Hein. Yeah. That's what I do, I build. Ils auraient dû prendre Jim Caviezel pour faire la voix de ce mec-là. Il aurait sa petite voix, comment dire, sa petite voix. D'accord, c'est bien. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, une petite voix toute sifflante là, la Jim Caviezel, ça serait bien. What? On n'est pas là, tout à l'heure. Mais c'est, j'ai pas du tout l'endroit où je l'ai attrapé. C'est là où je l'ai attrapé. Enfin, je l'ai attrapé derrière. C'est drôle. Téléphone. Hey, by the way, Maurice volunteered.
helps me understand why he did it. You need to reward him with something, okay? What, like, cooking? I don't know. Get creative. Waouh. C'est ce qui arrive quand on fait pas attention. Allez, on va encore améliorer sa réputation. Tiens, c'est le crime de la démo de l'E3. T'as quel âge pour survivre à un cancer? Ça c'était juste un peu plus je faisais fuir. C'est vraiment vraiment juste hein. Pour le coup, j'ai un peu flippé. Je me suis fait combien? 41 minutes de l'heure. Allez, je vais quand même aller voir ce qu'il nous vend, notre ami. Bam, 10 900, c'est pas mal pour un champion d'échecs. Oh, qui a lymphome? Mais t'as rien d'intéressant? Allez, des blackouts. Non, ça coûte cher. Peut-être. Peut-être recharger mon flingue, je suis en train de me dire. Ce serait bien. J'ai rechargé tout ça. La serre, ça serait bien aussi. Parce que je vais principalement me servir du désertical et de la serre en phase de gunfight. Dans le Queen Queen. Claire's putting a lot of faith in this legend. And Tobias was pretty spooked by it. I'm not interested in the myth. But if it helps me get Nikki, then I'll use it. Did you find Tobias? I did. We played poker, had a nice talk. What did he say? Clara, it's real. I told you. Don't go in without me. I'm on my way. Don't worry. I still have to restore the power, and then we have to find an entrance. I'll see you soon. J'aurais peut-être dû prendre une bagnole.
Il y a des trucs chelous là, les motos, tout ça, c'est pas vraiment des trucs qu'on trouve à des endroits abandonnés. Hein. Toon Dirt Bike. Et une sportive. Oh. Non, mais avoir un peu d'accent quand même, on va pas juste se balader dans le télé. Eh hey. Non, il y a un truc là. Pousse-toi, toi. Oh la dèche. Ah, cette petite musique à la Half-Life. T'es sérieux là? Ah, il y avait l'autre caméra, j'avais pas vu. Je me disais, alors là, je trouve vraiment pas par où faut passer, c'est pas normal. Mais en fait, en faisant exploser ça, je me suis fait le chemin pour la suite. C'est cool. Ah, mais il y avait un ascenseur ici. C'est ouvert ça? Ouais. One down, two to go. I just heard the generator kick on. Gonna need more juice than this. Can you look for an entrance? How would Bloom hide a place like this? Or switch and the floor drops into a hidden base deep underground. Underwater? We're on an island. Wishful thinking. Up then. One of the buildings. I'll keep looking. Mais alors, c'est débile ce qu'il dit. C'est pas une île. Ah, on est peut-être sur une île artificielle alors, je sais pas. Parce que si on est sur une île naturelle, c'est les îles flottantes, c'est que de la cuisine. Hein. Ou alors c'est artificiel, mais naturellement ça existe pas. Hein. Yo, j'adore bike. J'ai passé tellement de temps à m'éclater avec. Descends-moi ça, merci. Aurais-je eu quelque chose qui s'appelle de l'instinct? Je suis en train de m'étonner moi-même là. Non, 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 descends pas trop vite, garçon. Et de deux. Almost there. Once we're in, can you get us online? In my circle, this is the fine of the century. If I fuck it up, you can take away my hacker card. Do you actually have a hacker card? Get us inside. Maybe I'll show it to you someday. I'm working on it. Je préférerais te voir autre chose que ta carte de hacker, perso. Ouch. Attends, toi redescends. Merci, je vais aller récupérer ma moto quand même.
back there. I'll just hack the gate. On va faire le tour, hein, du coup. Non, ça fait pas grand chose. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah ouais, je peux être caméra en caméra comme ça. Purée. Pourquoi elle est retournée ? Je l'avais retournée ? Je sais même plus. On va repasser devant du coup, parce que là j'ai pas l'impression que c'est ça le bon chemin. Bien joué! Bon, tant pis pour la moto. Du coup... On peut même pas monter là. Mais t'es débile. Là, il y a un truc peut-être. Là. Je crois qu'il faut... Ah non, je suis coincé. Ah mais j'ai compris, putain, des fois je suis con. C'est sur l'orange qu'on peut pas aller, mais je suis sûr que le vert, on peut y aller. Des fois, c'est trop simple. Et voilà. Le courant est de retour. Non, ça va être une nouvelle planque. Never.
C'est quoi l'arnaque? Oh! J'avais pas vu! Ouais. I was right. DedSec would make good use of this. Clara, we need to make a deal here. No one can know about this. At least until after I'm done with it. Of course. Help me get her online. C'est pas un peu ce que je me suis amusé à faire là? Amusé. Je précise. Cinématique. Après, ça sera l'heure de se dire au revoir. Ah, c'était du québécois, ça. Tabarnacle. On voit les crimes en cours. Ouais, des EEI qui se baladent comme ça dans les... Des blackouts. C'est génial, on serait dans The Dark Knight. Bon bah du coup... C'est là-dessus qu'on va se dire au revoir. T'es sérieux, on va se taper cette petite cinématique à chaque fois qu'on va vouloir venir ici? Ah, c'est là l'entrée. Bon, bah, du coup, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des vidéos et mes autres let's play. N'hésitez pas à aller voir mes lives sur Twitch. Si le 21 juin est passé, il y en aura peut-être moins. Je verrai. Peut-être que je trouve un moyen de live sans avoir besoin d'un setup particulier. On verra bien. Allez, salut à tous!